some different shapes and sizes here in our four-year-old class, some different stages of lactation. Not the easiest group to sort out for me, but our cow at first today just has such an advantage, that volume to her rear udder. She's showing me a little more depth, openness to her rib today, a little more drop to that rear flank than our really youthful cow here coming out in second. Our second place cow over our red cow at third, a cow that's snugger of her attachments. She's deeper of her crease today, and just prefer that strength of her loin slope from her hips to her pins in this beautiful red cow here at third. Our third place cow over the cow at fourth, a cow that has an advantage in that overall depth, openness to her rib, that natural strength to her rib in this extremely stylish cow over the fourth. Fourth place cow over the cow at fifth, a cow for me showing me a lot more strength to her median suspensory. She showed me a little more udder texture and udder quality today than our speckled cow here coming out at fifth. Thank you. Alors dans cette classe de 4 ans, ce n'a pas été nécessairement la classe la plus facile à juger pour lui. On y voit plusieurs vaches qui présentent différents stades de lactation également. Mais la vache qui l'emporte aujourd'hui l'emporte surtout au niveau de son système mammaire qui présente un volume plus désirable avec un arrière-pied plus large et également une ouverture de côte arrière plus préférable que la vache en deuxième. La deuxième sur la troisième, c'est surtout au niveau de ses attaches, de même que son ligament suspenseur mieux défini et la force de son rein qu'elle l'emporte sur la vache rouge en troisième. La troisième sur la quatrième l'emporte surtout au niveau de la profondeur et l'ouverture de ses côtes par rapport à la vache située en quatrième. Et la quatrième lui a donné avantage au niveau de sa suspension médiane et le volume plus désirable que la vache picotée en cinquième position.